Allô, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui mercredi le 9 décembre 2015. Donc tout d'abord, je vous demanderai de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, cette fin de semaine, les 12 et 13 décembre, je vais être à Montréal, à la boutique Au cœur des sens, pour vous transmettre outils concernant le tarot. Donc, moi, je l'appelle le tarot 101. Pourquoi? Parce que c'est une formation en bref, selon moi. Parce que le tarot, de la manière que moi, je l'enseigne, normalement, c'est sur 23 semaines. Donc, il faut vraiment pour 3 heures samedi, 3 heures dimanche, là, donc un 6 heures total de formation. C'est vraiment bref pour moi. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, c'est 88 $ pour les 2 jours, donc 6 heures de formation total, où je vous montre plein d'outils concernant le tarot. Ben, ma façon à moi de tirer le tarot, tout simplement. Donc, c'est la dernière formation, la dernière formation avant l'année 2016 en direct. Donc, si vous êtes intéressé, vous inscrire auprès de moi. Les inscriptions doivent être faites avant vendredi. Parce que s'il n'y a pas un nombre assez suffisant, je vais l'annuler. Donc, puis là, jusqu'à maintenant, ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont inscrits, là. Bon, fait que, si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire à moi, chantal@commercialcoachingchantou.com. Donc, ce que ça me dit au niveau des cartes, c'est qu'on vous demande d'avancer vraiment avec une énergie de compassion depuis un certain temps. Donc, d'avancer sur votre chemin de vie vraiment en écoutant votre sagesse intérieure et émanant tout simplement la compassion autour de vous. C'est ce qu'on vous demande de faire tout simplement pour vous aider et aider le plus grand nombre également. Donc, une énergie qui peut vous aider, c'est Kuan Yin. Kuan Yin est là pour vous aider vraiment à lâcher prise sur le jugement par rapport à vous-même et les autres. Et être dans un amour, une émotion de compassion. C'est un amour, en fait, là, qui est à l'intérieur de vous. Puis tout simplement, émaner la lumière et l'amour à l'extérieur. C'est ce qu'on vous demande de faire depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui s'apprête. Bien, ça s'apprête à être fait au cours de la prochaine année, à partir de maintenant. Donc, au cours de la prochaine année, vous allez être vraiment dans une émotion de compassion beaucoup plus. Et puis, vous allez vraiment apprendre à y voir des situations, des événements qui vont faire que, bon, ça va vous permettre d'atténuer le jugement et d'être plus dans une énergie de compassion, tout simplement. Dans le moment présent, c'est sûr que là, on vous demande vraiment de vous connecter à un amour qui est éternel. Donc, et d'émaner ça à travers vos projets. Il y a beaucoup de projets qui sont là. Et plus vous allez être dans l'amour éternel, une belle amour sans fin qui est inconditionnel, mais aussi divin de plus en plus. Donc, dans l'amour, c'est comme si on vous shifterait au niveau de l'amour. Vous étiez dans un niveau, bon, là, vous allez faire un bond, vous allez faire un shift à ce niveau-là. Ça va être plus fort, plus... Et puis, grâce à ça, à travers vos projets, là, ça va être vraiment quelque chose de miraculeux. Donc, pour certains, vous allez être reconnu à travers le monde, mais il y a un grand avancement qui est fait.
En vous connectant à l'amour et à la partie divine des gens, au lieu de voir les défauts puis de focusser sur ce qui n'est pas correct. Donc, le but, des fois, c'est pas toujours de focusser sur qu'est-ce qui doit être arrangé, mais plutôt mettre l'emphase sur ce qui est déjà parfait. Donc, la partie divine, tout simplement. C'est sûr que là, dans un futur proche, on vous demande de prendre du temps proche de cours d'eau. Donc, les lacs, les rivières, mers, ça va vous aider à recharger votre batterie. Donc, si vous pouvez, là, dans un futur proche, c'est pas nécessairement un voyage, mais c'est parce que vous avez besoin, vous êtes en période de transformation. Et puis, il y a des belles choses qui sont là. Mais en même temps, il y a du négatif aussi dans votre énergie. Faut pas oublier que, bon, quand je dis ça, c'est que vous avez sûrement absorbé quelque chose de quelqu'un. Donc, avec l'eau, ça va purifier, ça va nettoyer. Buvez beaucoup d'eau aussi. Moi, je remarque des fois quand je fais des lectures à des gens qui sont chargés négativement, puis ça ne veut pas dire parce que c'est des personnes négatives nécessairement, c'est qu'ils traînent ça autour d'eux pour x, y raison. Moi, j'absorbe ça parce que je suis... j'ai un côté félin. Donc, je me suis aperçue de ça il y a longtemps. Je suis très attirée par les chats, tout ça. Mais en même temps, les chats, leur propriété, c'est vraiment de transmuter le négatif. C'est pour ça qu'ils dorment beaucoup. Donc, moi, je vois là, que quand j'ai aidé au niveau de la transmutation du négatif, là, autant que ça vienne vers moi pour être transmuté, autant que c'est d'autres personnes qui l'apportent ou peu importe. Je me suis déjà vue aller nettoyer un gros nuage noir au-dessus de la maison de quelqu'un en méditation. Donc, après ça, ce que je vois, c'est que, un, je ressors des toxines. C'est normal. Fait que c'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Puis en même temps, ce que je remarque aussi, c'est que je peux avoir des sueurs. Donc, on ressent les choses. Puis j'ai eu également à nettoyer mon foie. Parce que le foie, vraiment, c'est le nettoyage. C'est là où ce qui est toxique va être filtré, entre autres. Donc... Puis, ce que je sais aussi, c'est que la mer, nager dans la mer, le sel, l'eau salinée, tout ça, c'est des bonnes choses. Donc, l'eau, oui, c'est vraiment un très bon purificateur. Donc, parce que je sens que vous allez être aussi dans une période où il va avoir du négatif, là. Je ne sais pas si c'est aussi loin que les fêtes, si c'est avant, mais c'est se regarder quand vous allez ressentir que là, il y a une charge. Ben, utilisez qu'est-ce que je viens de vous dire comme truc, là. Puis en même temps, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je dois dormir, tout simplement, comme un chat. Donc, à quelque part, on est tous un peu interreliés, hein, les êtres vivants sur Terre. Donc, il faut vraiment regarder ce qui se passe ailleurs. Puis ensuite, peut-être voir, OK, moi, je m'adapte à ça, mais moi, je me laisse aller par mes guides, là. Donc, puis la vie, tout simplement. Donc, c'est une bonne chose à faire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Amour, lumière, abondance, paix, joie dans votre cœur. Ce soir, de 19h à 20h30, je suis sur Ligne Vision. Donc, pour prendre vos appels, si vous avez des petites questions de quelques minutes là, que vous aimeriez que je réponde, ben, c'est une façon de faire rapidement, directement ce soir. Sinon, c'est ça, moi j'ai mon cours de coaching perte de poids. Donc, qui se poursuit ce soir à 21h. Il nous reste deux coachings. On est rendu au sixième cours aujourd'hui.
Mais il n'est jamais trop tard pour s'inscrire à mes formations en ligne, hein. Vous savez que je peux vous envoyer les liens, puis vous le faites à votre rythme. C'est 77 $ pour les 7 cours. Il n'est pas sur mon site Internet parce que les sites Internet sont en construction. Puis c'est très lent. Donc, à quelque part, bon, c'est comme ça aussi. Et puis, demain soir, les jeudis soirs, là, c'est le 10 demain, donc, et le 17. C'est une formation sur les lectures d'oracle. Donc, si vous voulez stimuler l'oracle intérieur ou vous voulez travailler avec des cartes d'oracle, donc, c'est un cours de 3 cours que je vous donne comme ça encore en ligne. Et il n'est jamais trop tard pour s'inscrire, 55 $ pour les 3 cours. Demain soir, de minuit à 3 h du matin, je vais être en direct à VTélé. Ne pas oublier maintenant pour l'émission Voyance Direct. Si vous voulez écouter les émissions maintenant, puis vous n'avez pas soit la chance de l'écouter en direct ou vous n'avez pas le câble ou la télévision, mais juste l'Internet, c'est faisable à partir de maintenant. Vous allez sur voyancedirect.ca et puis vous pouvez voir les émissions directement là. Puis vous pouvez réécouter les émissions qui sont passées également. Si jamais vous faites une lecture d'âme, puis vous allez vous coucher avant ou pour une raison ou une autre, vous pouvez retourner puis le réécouter. Donc, c'est des façons de faire. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis une excellente journée à vous. Merci. Continuez à briller et je vous vois demain. Merci beaucoup.